Hi, salut à tous, c'est SNS, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci ce sera pas une vidéo gaming, ce sera une petite vidéo spéciale. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Twitter et Facebook sont déjà peut-être au courant. Ce sera une petite vidéo spéciale où je vais vous présenter des crampons personnalisés que j'ai achetés sur Nike Football. Et donc c'est les Mercurial, les Nike Mercurial Veloce de FG. Idée. Pourquoi je pense, pourquoi j'ai plutôt envie de vous faire cette vidéo présentation, c'est tout simplement que ça fait un moment que je voulais m'acheter des crampons, etc. personnalisés, et j'ai cherché sur internet pour voir quelle gueule ça a, qu'est-ce que ça donne, etc. et j'ai pas du tout trouvé. Donc là, je me suis dit, autant faire cette petite vidéo, étant donné que si une personne cherche et qu'il tombe, je pense qu'il sera quand même bien aidé. Donc voilà, je pense que je vais vous les montrer tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve maintenant pour la présentation des crampons. Alors je le répète, elle s'appelle les Nike Mercurial Veloce 2 FG ID. Et je sais, c'est très long, mais de toute façon, c'est les derniers crampons qui sont sortis en date, entre guillemets. Et pourquoi justement je voulais vous faire une vidéo présentation sur ces crampons, c'est tout simplement parce que selon moi, franchement, je trouve que c'est un très bon produit. Alors je vais vous les montrer. Je trouve que c'est un très bon produit, franchement, elles sont magnifiques. Et franchement, comme je l'ai dit, moi j'ai cherché justement des crampons comme ça. Et j'aurais vraiment aimé tomber sur une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui les présente, parce qu'il n'y a aucune vidéo, je vous l'assure, j'ai cherché. Il y a des vidéos présentation de crampons normaux, mais de crampons personnalisés, il n'y en a pas. Et donc on peut même choisir la couleur, là j'ai pris en blanc, il y avait noir. Pourquoi je vous dis que c'est un très bon produit? Tout simplement que je les ai essayés. Elles sont bien fermes, elles sont bien... Franchement, elles sont magnifiques. Et puis aussi, tout ça pour dire que c'est par rapport à son prix. Parce que, en fait, je les ai eues pour 165€. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne affaire parce que... Attendez. Parce qu'à l'époque, moi, ça date déjà de... Ça date d'un moment que je voulais m'offrir des crampons personnalisés. De 2008 ou 2010, je sais plus. J'étais jeune et quand j'allais sur Nike Football, par exemple... Pour personnaliser mes crampons, je m'étais fait des crampons, déjà c'était pas aussi joli que ça. Et le problème c'est que le prix m'était revenu à plus de 330€, etc. Et franchement, j'avais pas l'argent pour mettre 330€ dans des crampons, et même si j'aurais eu l'argent, ça m'aurait fait un peu mal quand même de mettre 330€. Et donc là, je trouve que 165, certes c'est un prix quand même qui reste élevé, mais on peut dire quand même que c'est un prix qui reste abordable. C'est une petite folie à se faire si on aime vraiment le football, etc., qu'on aime la personnalisation. C'est une petite folie à se faire. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est que bah justement, elles ont la qualité des crampons des crampons haut de gamme, tout simplement. Je sais pas si vous voyez, mais justement, les crampons haut de gamme, en fait, vous avez la semelle là qui est quand même rigide. Attendez, je vais vous montrer, voilà. Vous avez la semelle qui est rigide. Mais logiquement, les crampons haut de gamme, en fait, vous voyez là, je vais appuyer, ça s'écrase partout, en fait. Regardez, tout s'écrase. Il ne reste que la semelle, en fait, même de derrière. Et ça, justement, c'est ce qui fait des... Pour moi, pour mon type de jeu, justement, et vous verrez, de toute façon, vous verrez, souvent les Nike Mercurial, les Vapor, etc., de haute qualité, comme les crampons des footballeurs, leurs crampons, c'est... Bah, vous voyez comment ça se plie? C'est là que vous voyez des crampons de haute qualité, tout simplement, comme je l'ai dit. Par exemple, aller dans, je sais pas moi, dans un magasin qui vend des crampons de football et des chaussures de football, essayer de prendre une paire à 70€, vous n'arriverez jamais à faire ce genre de truc. Vous voyez, ce genre de truc, vous n'arriverez jamais à faire. Vous pourrez pas. Et donc c'est pour ça, franchement, comme je l'ai dit, ça reste un très très bon produit. Et je voulais tout simplement, je vous montre la gauche vite fait aussi, parce que j'ai pas beaucoup montré la chaussure gauche. Et quand on attend de l'intérieur, voilà. Ouais, c'est simple, mais c'est magnifique, franchement. Vous avez un très bon appui, etc. Puis je peux que la conseiller. Par contre, petite chose à conseiller, si vous les prenez, prenez vraiment une taille au-dessus, parce qu'elle est taille vraiment, vraiment serrée. Et du coup, moi, c'est juste, franchement. Donc, voilà. Si vous faites du 43, prenez du 44, voire même peut-être du 44,5. Ça dépend si vos pieds sont larges ou pas, etc. Mais en tout cas, elle sert beaucoup. Et puis, vous voyez, j'ai mis le petit logo SNS7, vous pouvez le faire. C'est vraiment magnifique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, comme ça, si jamais une personne qui voulait se personnaliser ses crampons tombe dessus, ben voilà, au moins, je pense qu'il sera en kiff. Parce que,
Et même s'il a des conseils à me demander, je pourrais lui en donner, étant donné que j'en ai commandé. Je vois ce que ça fait, la couleur, etc. Comment dire. Le confort, etc. Donc voilà. Si vous connaissez des personnes pareil qui hésitent, bah, dites-leur d'aller voir cette vidéo, et puis, etc. Parce que franchement, moi j'aurais été vraiment content de tomber sur une petite vidéo comme ça. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette petite vidéo et je suis vraiment en kiff dessus, je la trouve vraiment très jolie, et puis voilà. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite tout simplement à la liker, à la partager à vos amis. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. De toute façon, les liens sont dans la description, ils sont toujours dans les descriptions des vidéos pour être au courant de mon actualité, etc. D'ailleurs, ouais, non, je le dirai sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on se retrouve très vite, allez, ciao tout le monde.